Donc là, j'ai une tenue de cavalerie d'un régiment écossais, donc les Scots Greys. Vous voyez ici le petit insigne de la casquette. Donc en fait, c'est un régiment qui est assez connu par rapport à la bataille de Waterloo, car les Scots Greys ont mené une charge héroïque, mais qui a malheureusement pas servi à grand chose et dont les Scots Greys ont été victimes, car ils ont presque, enfin beaucoup ont été décimés. C'est un régiment qui se caractérisait par la couleur de leur monture, qui était plutôt des chevaux, qui était exclusivement des chevaux à robe grise, dont le nom Scots Greys. Et en 14, donc, quand ce régiment a été levé, ils sont arrivés en Europe avec leur monture grise, mais ils ont vite compris que c'était un peu trop voyant comme robe pour les chevaux, donc ils ont abandonné la traditionnelle monture de cette couleur et ont opté pour des chevaux classiques, marron, noir, etc. Et en fait, il faut savoir qu'au début de la guerre, l'Empire britannique a tenté quelques charges de cavalerie étaient extrêmement meurtrières, parce que charger sabre au clair face à des mitrailleuses, encore une fois, ils en ont payé le prix. Donc en fait, très vite, les unités de cavalerie ont rejoint leurs camarades de l'infanterie dans les tranchées et ont combattu à pied en tant qu'infanterie montée. Et après, il y a toujours eu des chevaux qui ont été utilisés dans la guerre pour transmettre les messages ou tracter les canons. Hein. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'artillerie était hypomobile. Il faut savoir après que la cavalerie à cheval a quand même subsisté pendant la guerre sur le front ottoman contre les Turcs, car pour la guerre du désert c'était plus adapté que les véhicules motorisés. Donc les régiments de cavalerie à cheval ont continué sur le front ottoman mais pas sur le front européen. Et là ça servait vraiment à rien. Donc voilà, mon équipement pour ce qui est du haut, ça s'assimile à un équipement d'infanterie standard, c'est-à-dire les mêmes vareuses, le ceinturon. Là où ça diffère, c'est que j'ai une cartouchière en cuir qui est plus légère, contrairement aux autres soldats infanterie qui ont un brelage lourd. Moi j'ai une cartouchière de 9 poches qui peut contenir 2 lames chargeurs. Là où mon équipement change aussi, c'est avec la culotte de cheval. Vous voyez avec les renforts en cuir pour la selle. Les bandes moltières ne changent pas, c'est la même que l'infanterie. Bon alors là, il y a une petite erreur, je le reconnais, c'est que les bandes moltières devraient être attachées à l'envers. Non, là, je les ai attachées que comme pour l'infanterie, mais elles devraient être attachées à l'envers, puisque la selle, avec les frottements, ça défait la bande moltière. Voilà. Mais vu que c'est déjà assez compliqué de les attacher dans le bon sens, je n'ai pas encore la main. Ensuite, les éperons, évidemment. Les éperons qui sont d'époque, donc avec une en nickel. Donc en fait, à l'époque des armées en Europe, c'était au début du XXe siècle, c'était de la conscription pour la plupart des pays, c'est-à-dire que les gens étaient mobilisés pendant le service militaire ou en temps de guerre. En Grande-Bretagne et dans le Commonwealth en général, c'était différent, c'est-à-dire qu'ils avaient une armée professionnelle qui était formée, entraînée et soldée. C'était une carrière en fait, d'être militaire. Donc ils se sont engagés en 2014 avec une armée qui était assez peu nombreuse par rapport aux autres armées d'Europe. Je n'ai pas les chiffres en tête, hein, je peux pas vous les dire, je suis désolé. Mais ça reste une armée qui était vraiment à l'échelle des autres assez peu nombreuse, mais qui était extrêmement bien formée. Donc la première année de la guerre, ils se sont très bien débrouillés, mais au bout d'un an, il y avait déjà trop de pertes en fait. Ce qui fait que l'armée britannique était réduite à peau de chagrin. Et qu'ils ont dû commencer à lancer des appels de volontaires, des recrutements. Il y a eu une arrivée massive de volontaires de tout le Commonwealth, voire même des Néo-Zélandais ou des Australiens, comme mon ami à côté, qui porte le chapeau typique des Australiens. Montre un peu ton écusson là, sur le chapeau, il est beau. On peut lire Australian Commonwealth Military Forces. Voilà, donc ça c'était les contingents australiens qui sont battus en Europe, mais pas que, ils se sont aussi battus dans le détroit des Dardanelles contre l'Empire ottoman. Une offensive qui a été un échec total pour les forces de l'Entente. Les Turcs ont montré une forte résistance, et enfin ça a entraîné un élan nationaliste chez les Turcs, mais ça c'est une autre histoire. Et en fin de compte, l'armée britannique, c'est une armée qui s'en tirait pas trop mal au niveau de la Première Guerre mondiale, de par son équipement et sa formation. C'était une armée qui avait un équipement déjà étonnamment en avance sur son temps, avec des brelages en toile tissée qui était assez bien conçu, un fusil performant et un entraînement de qualité. Donc c'était une armée qui faisait le travail en fait. C'est juste que le commandement et les tactiques n'étaient juste pas adaptés à l'époque.
Basiquement, si je vais résumer la Première Guerre mondiale, c'est des tactiques de guerre napoléonienne, mais avec un armement moderne, donc les pertes, enfin pour le début en tout cas. Après, ils ont vite compris l'intérêt. Donc au début, oui, c'était vraiment des grandes charges à découvert face à des mitrailleuses et des obusiers, enfin c'était un carnage. Et sur la fin de la guerre, ils ont compris, ils ont fait des armées avec des groupes plus réduits qui lançaient des offensives par petites escouades groupées avec l'arrivée d'armes automatiques portatives. C'est-à-dire plutôt que la grosse mitrailleuse sur trépied, c'était des fusils mitrailleurs adaptés avec un ou deux hommes pour le service, comme le fusil mitrailleur fait maison, pardon, par un de nos membres, le fusil mitrailleur Lewis. Qui reste un stade de maquette, mais qui est assez ressemblant. Hein. Qui pouvait être porté par un homme. Et il avait un pourvoyeur en munitions qui l'assistait. Et si jamais le mitrailleur était tué, c'était ce pourvoyeur qui récupérait le fusil mitrailleur. Donc c'était un chargeur de 42 cartouches, il me semble. Et il y a existé aussi une version avec le double de contenance pour les aviateurs. C'était une mitrailleuse qui était montée sur les avions. C'est une des premières mitrailleuses alors de... Alors portative, oui. Ouais. En tout cas, ce n'est plus efficace puisqu'elle a été restée en service jusque dans les années 50 encore. Donc la Lewis, elle, est assez moderne car elle est refroidie par air. D'accord. Le chargeur tambour typique, c'est-à-dire que les cartouches sont posées comme le cadran d'une montre sur plusieurs niveaux, je crois que c'est deux niveaux. Et en fait, les cartouches, plus elles sont tirées, plus elles se rabattent dans la chambre. En fait. Donc c'était assez moderne. Je voudrais, avant que le combat ne commence, remercier et rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont organisé cet événement. Vous savez que 2018, c'est la dernière année du centenaire, donc une année importante. Et vous avez ici des reconstituants qui vont incarner toutes les armées en guerre et qui vont, tout au long de ce week-end, pour... les plus grands et les plus petits, donner une petite idée de ce que fut l'horreur de la Première Guerre mondiale qu'on ne doit pas oublier. C'est aussi pour ça que nous voulons, nous, à Meaux, avec ce grand musée, attirer le plus de visiteurs. Donc, aidez-nous au maximum à faire venir beaucoup de monde. On a déjà plus de 700 000 visiteurs qui sont venus depuis l'ouverture du musée. Et c'est aussi pour nous une manière de rappeler que, il faut défendre l'Europe, parce que l'Europe, c'est aussi la paix. Il ne faut jamais oublier ça. Alors je voudrais vous remercier, demander à chacune et chacun de les applaudir parce que les reconstituants qui sont ici sont venus de toute la France et même d'autres pays puisqu'il y a un contingent russe venu de Russie qui a défilé dans les rues de Meaux ce matin et qui va bivouaquer tout week-end. Voilà, le combat va bientôt pouvoir commencer. Je voudrais évidemment remercier toute l'équipe du musée de la Grande Guerre, l'association des amis du musée qui font un travail absolument extraordinaire. Et puis vous dire aux uns et aux autres que je suis très heureux de partager ce moment avec vous tous. Le pays de Meaux est très fier de participer au devoir de mémoire et à la connaissance de l'histoire. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi, un bon week-end. Et puis je voudrais vous rappeler qu'au mois de juin, vous allez pouvoir assister à un extraordinaire meeting aérien où seront reconstituées des batailles aériennes de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est au mois de juin, mais on annoncera évidemment tout ça sur le site de la ville et sur Facebook. Voilà, bel après-midi à vous, et puis bon, maintenant, écoutez, il faut faire la guerre.